Bruxelles. Et belles drapeaux français. J'ai aucun conseil à vous donner sur vos élections, mais pour ceux qui souhaiteraient déménager en Belgique, voici quelques petits trucs pour une parfaite intégration. Voici la carte de la Belgique, au nord, la Flandre. Au sud de la Wallonie, quand on voit le massacre que c'est quand vous essayez de parler en anglais, on va même pas essayer avec le flamand. Le mieux pour vous, ce serait de venir emménager dans le sud du pays, en Wallonie, là où on parle français. Certes, en Wallonie, on parle français, mais il y a quand même quelques petites différences. Bah nous, on dit 70, 90, on dit logopède pour orthophoniste, ou encore un cumulet pour une roulade. C'est deux petites différences. Après, il y en a encore plein d'autres des différences. Par exemple, à table, en Belgique, on aura tendance à privilégier le verbe « savoir » à la place du verbe « pouvoir ». Bah, par exemple, dis « tu sais me passer le sel ?» Quand un Français entend ça, ça l'exaspère. Il se sent toujours obligé de nous corriger. On dit « tu peux ». Parce que « savoir », évidemment, je sais le faire. Bah, tu sais quoi? Si tu sais que tu peux le faire, fais-le et pète pas les couilles, vieux! Quand vous venez emménager en Belgique, trois mots qui vous seront utiles, raouette, paye et baraki. Tracasse petit français, je vais t'expliquer. Une raouette, en fait, c'est une quantité de rien du tout. Par exemple, tu trouves qu'il n'y a pas assez de maillot sur ton cornet, t'en voudrais un peu plus. Bah tu demandes gentiment, tu pourrais me mettre une raouette en plus de maillot là? Tu sais, demander gentiment, tu l'auras. Alors un paye c'est un gars, un mec. Ça va paye? Ouais paye. Évidemment, l'indémodable, quel clète se paye. Si t'es français et que tu connais cette réplique, c'est que tu connais tes classiques. Mmh, oui. Et le baraki, ça s'explique pas un baraki, hein, c'est... En voilà un. En voilà un autre. Une fois arrivé en Belgique, vous allez constater, il n'y a pas de péage sur nos autoroutes. Non, ne vous réjouissez pas aussi vite, elles ne sont pas payantes pour la simple et bonne raison que par endroit, elles ne sont carrément plus praticables. La Belgique, c'est un musée à ciel ouvert de nids de poules. Ça folant. Bienvenue chez nous. En Belgique, pour se dire bonjour, on se fait une seule bise. Attention, dans la région de Liège, une bise, ça peut également se dire une baise. Juste pour vous prévenir, si une liégeoise vous dit « on se fait une baise », garde ton pantalon, ça veut juste dire « on se fait une bise ». Très important, n'allez pas croire que le belge est vulgaire, hein, mais souvent pour dire « plaît-il, je vous demande pardon » ou encore « excusez-moi », on aura tendance à tout simplement dire « quoi ça ?» Rapide, efficace, précis. Alors évidemment, cher ami français, vous êtes les bienvenus, mais... condition. Interdiction d'imiter l'accent belge. Tournez 7 fois votre langue de Molière dans votre bouche avant d'essayer d'imiter l'accent de Raymond Goutals. Merci de votre compréhension. Alors pour éviter tout malentendu, en Belgique pour dire oui bien sûr, on dit non peut-être. Sur ce, à la semaine prochaine et surtout, des baises.